soins palliatifs sont les soins actifs, délivrés dans une approche globale à une personne atteinte d'une maladie chronique grave, évolutive ou terminale. Son objectif est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychique, sociale et spirituelle. Il s'adresse au malade en tant que personne, à sa famille, à ses proches, à domicile ou en institution. Chaque année, dans le monde, on estime à 56,8 millions les personnes qui ont besoin de soins palliatifs, dont 78% vivent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, et seulement 14% en bénéficient réellement. Les malades relevant des soins palliatifs sont très nombreux dans nos communautés et faute d'accompagnement spécifique, ils décèdent dans la douleur, l'abandon et l'indifférence collective. Cela nous interpelle. Devant la vulnérabilité des patients, des personnes âgées souffrant de maladies chroniques et ayant besoin d'accompagnement, il est apparu nécessaire d'institutionnaliser les soins palliatifs pour ne laisser personne de côté. Enabel, qui met au cœur de ses interventions la promotion des droits humains tout au cœur, soutient bien évidemment toutes les initiatives visant à améliorer l'offre de soins palliatifs pour les patients qui en ont besoin, au même titre que les soins préventifs, curatifs et promotionnels. Notre appui s'est marqué jusque-là par une série d'actions, à savoir au niveau programmatique, l'appui à l'élaboration du plan quinquennal 2022-2026 des soins palliatifs, l'appui à l'élaboration du guide de prise en charge, l'acquisition d'un lot de médicaments et aussi de la morphine avec les équipements nécessaires pour pouvoir assurer la production de la solution orale de morphine localement. Il y a eu également la création de 4 filières de master, dont les filières néphrologie, dialyse et soins palliatifs, avec une quarantaine de bourses financées jusque-là pour les apprenants. C'est pour moi un honneur et une fierté en ma qualité de coordonnateur du Programme national des soins palliatifs du Bénin de vous souhaiter la bienvenue à Cotonou au premier congrès national des soins palliatifs que je l'espère sera désormais une tradition chaque année au Bénin. Pour la toute première fois, l'espace est créé et réunit les sommités de la santé et de la recherche, non seulement du Bénin, mais aussi du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Niger, de l'Ouganda, de la France, pour parler, que dis-je, pour donner et recevoir autour des soins palliatifs. Le thème principal du présent congrès, soins palliatifs, couverture sanitaire universelle et développement, laisse présager qu'au cours des présentes assises, toutes les pistes à emprunter seront examinées pour nous faire des propositions concrètes afin d'accéder à cet idéal. Il faut impérativement relever le défi des soins palliatifs à tous les niveaux en faisant collectivement preuve de compassion. La réalisation des objectifs de développement durable liés à la santé passe également par l'accès équitable des personnes qui en ont besoin à des soins palliatifs sûrs et de qualité. J'invite donc tous les acteurs du secteur, les partenaires techniques et financiers, les organisations non gouvernementales, les entreprises du secteur public et du secteur privé et toutes les personnes de bonne volonté à prendre des engagements pour accompagner les efforts du gouvernement dans le domaine des soins palliatifs.